Soka wanate botala susu eloko asalaki apesaki kado na ye ya ekole ekole pour tous ezali ekole pona basi na mibali oyo azotongela ba eleve ya Manyema ya Kindu alingi batanga bazala na education ya bien ezali malamu mingi et surtout pona basi na mibali yango autaki kopesa kado wana ya ekole po batunga bana na biso batanga Pendant son séjour à Kindu, Marie-Olive Lembe Kabila va aussi lancer les travaux de construction d'une école et d'un internat. Sur cet espace, long de 170 mètres et large de 60 mètres, sera érigé pendant 9 mois une école mixte par l'entreprise moderne Construct Congo et la pose de la première pierre par l'épouse du chef de l'État en donne le coup d'envoi. Cette école, qui disposera de près de 12 salles de classe et d'un internat, est un cadeau de la première dame aux enfants de Kindu dans le cadre de son programme École pour tous, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs provinces de la République. Ceci va passer dans le cadre de l'école pour tous. Filles et garçons à l'école. Je pense que les statistiques ont démontré que la plupart des filles qui se donnent aux études ne se font pas engrosser facilement. Parce que l'instruction donne accès au savoir. C'est très important. Il était initialement prévu la construction d'un orphelinat. Mais après des enquêtes initiées par la première dame, les résultats ont révélé que le besoin se faisait plutôt sentir dans les secteurs de l'éducation, d'où ces changements de programme. J'ai un tout petit peu changé d'idée parce que je me suis rendu compte qu'ici à Kindu, il n'y a pas beaucoup d'orphelins. Les parents sont responsables ici. J'ai fait faire des petites enquêtes qui m'ont au fait convaincu de changer de cap. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'internat. Et moi, j'ai estimé qu'il était important d'en créer et de commencer par quelque part. Moi-même, j'ai étudié et j'ai été éduquée par les sœurs dans un internat. Je connais la valeur de l'éducation à l'internat. Nous allons donner la possibilité aux parents d'inscrire leurs enfants, mais à moindre coût, vraiment le minimum possible. Et vous serez témoin, j'espère, que Dieu nous prête vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous serez témoin quant à la suite des événements à propos de toutes ces questions. Vraiment, Ezali Esengo Mingi, comme on a Nazaki Pembeni à maman, pour la misala zo sala, et pesakinga encouragement, na fortification. To encourager mama yo zotalanga papa yo zotalanga soki même ozana makasi ya kwanku ozana makasi ya kosala oyo azo sala te bondela tapo na ye nazo pesa pe merci na ba oyo bazo sala comme mama azo sala pona ko contribuer un plus na mabota na biso ya mboka RDC ezo sengo za nango ebelete ata ya muke nzamba ko pambola yo nazo ba conseil mama lobaka soko kata na mboka Congo obikisi ata molimo ya veuve moko ou bien orphelin moko nzamba ko pambola yo yango nde nzamba zo senga biso botala o mama azo sala azo mema esengo na kati ya bandeko na biso yango biso peto landa lokolo na ye ndenge biso moko tozo mibenga les amis de mama Olive Lembe tozo benga ngo na fierté nyoso po tozo landa lokolo ya mama azo tikela biso éducation malamu Bomona kingamoko na kenaki na mboka ya Congo pona sala un plus na landa lokola mama. En tout cas, merci beaucoup na équipe Mumbimba et surtout pona équipe ya les amis de mama Olive Lembe Kabila. Merci beaucoup pona encouragement na soutien na bino
Et puis, dans ma prière, na bino tozo bonde la pona maman, Nzambe a pambola ye, Nzambe a pesa ye makasi, Nzambe a fortifié ye. Et puis, oya zo sala, etika le pa na biso, pe ekende pa ya bana na biso, balanda exemple wana yango toza liboso na bino. Et merci na Franci Pro Digital, akende na mboka RDC, komo na musala ndenge baninga na eba zo sala, Nzambe a pambola yo, abakisa yesu ebele ya ebele, merci beaucoup.